programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 31 janvier 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le fameux Prix d'Amérique, 6e course de la Réunion 1, où 18 trotteurs âgés de 5 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Le Prix d'Amérique est la plus grande course de l'année au trot. La bataille fera rage tout au long du parcours classique des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Tous espèrent secrètement remporter cette fabuleuse compétition labellisée Groupe 1, enlevée 4 fois par le phénoménal Ourasi dans le passé. Reste maintenant à trouver le vainqueur de l'édition 2021. Voici à présent le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 15, Davidson Dupont. Il ne sera pas le favori de cette compétition, mais peut pourtant s'imposer. Jean-Michel Bazire, son entraîneur driver ayant tout axé pour ce Prix d'Amérique, attention à lui. En deuxième choix, le numéro 17, FaceTime Bourbon. Il est un immense champion qui n'est autre que le tenant du titre de ce Prix d'Amérique. Si tout se passe bien pour lui durant le parcours et qu'il peut gicler au moment voulu, ce crack peut entrer dans l'histoire en doublant la mise. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Delia Dupomereux. Déféré des 4 pieds et affichant une très belle forme, avec l'aide précieuse d'Éric Raffin, double sulcu d'or en titre, elle peut monter sur le podium de ce championnat du monde. En quatrième position viendra le numéro 16, Baya Keno. Venant de gagner le prix de Cornulier en très grande championne, elle se présente une semaine plus tard, déféré des 4 pieds, dans l'Amérique. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Vivid Wise Ass. Il est épatant et partira avec la grande confiance d'un Alessandro Gocciadoro qui n'est autre que le meilleur entraîneur-driver italien lors de la saison 2020. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 4, Gu Deripré. Il a obtenu plaisamment sa qualification lors des préparatoires à l'Amérique et retrouve un certain Franck Nivard à ses commandes aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 2, Fairy Wood. Elle peut suivre tous les trains et a franchi des caps ces derniers temps. Si le parcours lui est fluide et favorable, alors elle peut faire sensation et plaisir à la famille Laurent-Claude Abrivard. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Victor Ferme. Déféré des 4 pieds, ce mâle de 7 ans est pleine peau le matin et compte bien en profiter pour conclure dans les 5 premiers. En cas de non partant, le numéro 3, Diable de Vauvert, qui a un bon rush final, terminerait notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, la Minute Quintet donnait le Quartet dans l'ordre de 1699€, ainsi que le Quintet dans le désordre de 125€, le tout en 8 chevaux seulement lors du Quintet disputé à Pau. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.